Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre petite aventure solo avant de passer sur les épisodes multi, donc sur Myth of Empires. Je suis toujours sur mon petit serveur privé, voilà. Et j'ai pas fait de hors-cam, hein. On enchaîne avec l'épisode 1. Je vous ferai donc 4 épisodes, hein. J'ai bien réfléchi à comment j'allais faire. Et je vous ferai bien, voilà, donc bien 4 épisodes sur cette petite partie solo. Et ensuite, alors attendez, je monte le son. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai plus de son dans mon casque. C'est parce que j'avais baissé la molette. J'appuie sur B pour taper en continu au lieu de marteler mon clic. Et donc voilà, oui, 4 épisodes en tout, tranquillement en solo pour faire le suivi de quête. Voilà, on va pas trop se prendre la tête. Je vais essayer de continuer à vous expliquer les mécaniques un peu du jeu. Alors voyez, voilà. Point d'activité de guilde, vu qu'on avait créé la guilde. Ah, j'ai cassé mon. Et je peux pas en recraft. Ok. J'ai cassé mon petit marteau. Donc, point d'activité de guilde, c'est ma contribution, vu qu'on a créé une guilde exprès dans le premier épisode pour que je puisse vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il me faut là pour refaire. Il me manque quoi en fait? Il me manque une corde, c'est tout. Allons-y pour la corde. Pof. Allez, donc on va faire des branchages pour faire ce qu'on nous demande. Donc là, en fait, on nous demande de débloquer. Alors déjà, j'ai pas débloqué. Alors je suis désolé, j'ai repassé le jeu en anglais. C'est quand même, je sais plus si j'avais fait en français d'ailleurs dans le premier épisode. Là, on me débloque en fait de débloquer les constructions de base et ensuite de faire 4 fondations en bois. Un support de structure et de placer les murs. Donc support de structure. Pop-pop-pom. On va voir ça. Donc on vient dans les compétences, on va dans les constructions et on débloque ceci. Voilà. Et ensuite on va aussi débloquer ça là pour faire les murs. Voilà, donc on a validé deux petites choses. On nous demande donc j'ai dit 4 fondations en bois. Donc c'est celle-ci. Je peux en faire que deux. Qu'est-ce qui me manque? Il va me manquer des cordes en fait. Voilà, donc ça craft. Ok, nickel. Donc on va pouvoir retourner là-haut. On va retourner à côté du feu de camp. Ça c'est bien, le jour se lève. J'ai toujours ma nourriture sur moi. Alors, on va se mettre nos petites fondations. Ici, il faut les crafter et les placer. C'est ça qui nous est demandé. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on nous demande de faire 6 murs. Et de débloquer aussi Basic Defensive Building. Donc, je viens là, je vais débloquer ça immédiatement. C'est le petit drapeau qui se trouve. Alors, je ne sais plus où il se trouve. On va chercher. Alors, attendez, je suis aveugle. Il est là, voilà. Territory Banner. Hop, ça c'est fait aussi. On nous demande d'en craft 1. Et ensuite on nous demande des murs. Mais je n'ai plus. Ok, il va falloir faire du branchage. Oh, les petits renards. Il y a d'ailleurs. Ah, alors je me demande si c'est pas une niche à renards. Je sais pas trop, un nid. Allez savoir. Donc là, oui, il me faut de la grass. De l'herbe. Hein. Pour faire des cordes, les cordes basiques. Il va m'en falloir. Bah, il va me falloir en fait de quoi faire 6 cordes. Alors, combien on peut en faire? Voilà, 6. Et ensuite, on pourra lancer. Alors, il va me manquer beaucoup de branchages pour faire des murs.
Alors les branchages, vous pouvez les récupérer que sur les arbres, hein, pas dans les buissons. Ah. Alors il y a des arbres qui se prêtent plus facilement à avoir des branchages. Il y a des arbres qui se prêtent plus facilement à avoir de l'écorce. Il y a des arbres qui se prêtent plus facilement à avoir du bois dur. Bref, suivant le type d'arbre que vous tapez, vous aurez plus de chances d'avoir une compo qu'une autre. Voilà. Impeccable. Alors maintenant, est-ce que je peux faire autant de murs qu'on demande? Parfait, pile poil. En même temps, j'avais fait que 6 cordes, donc c'est normal. Alors, le drapeau, le drapeau de territoire qu'on a construit, c'est le drapeau individuel. On peut en crafter qu'un seul, je crois, par joueur. Et c'est ce qui va aussi empêcher la dégradation de vos structures. C'est assez important. D'ailleurs, on va le placer de suite. On va le mettre là. Donc, à l'intérieur, en maintenant E sur le drapeau, vous pouvez voir la range qu'il couvre, donc le cercle rose violacé là, qui est ici. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce cercle est protégé dorénavant de la dégradation. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va placer nos murs. Alors, les murs, est-ce que je peux me refaire? Je vais me refaire deux petites fondations. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Parce qu'on est un peu à l'étroit là quand même. Ça, je peux drop. Bon, les graines, j'aurais pas l'occasion de vous montrer ça. Ça sert à rien que je les garde. Hop. Alors il faut savoir que quand vous placez une structure, elle démarre entre guillemets de 0 point de vie et les PV montent. C'est une façon de faire pour le PVP, c'est-à-dire qu'en fait quand des joueurs vont attaquer une base ennemie, pour éviter que les gens reconstruisent par derrière, ils ont fait ce système. Les structures partent de 0 et montent en point de vie. Donc comme quelqu'un va reposer par exemple une porte ou un mur, elle est quasiment destructible de suite. C'est pour empêcher le rebuild intensif pour protéger sa base. On n'est pas censé construire dans la vraie vie des murs en 2 secondes, quoi. Donc du coup, il y a ce système de PV qui augmente. Vous voyez, ces fondations-là sont arrivées à fond. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est marqué qu'elles ne périment pas. Alors, on aurait un petit message comme quoi qu'elles dépérissent de 30% toutes les 2 heures s'il n'y avait pas eu ce petit drapeau. Voilà. Donc du coup, on va maintenant mettre nos petits murs. Alors, avec la touche T, vous pouvez faire des modifications. Une fois que vous avez placé... Sélectionnez votre mur, vous voyez, on peut faire porte, fenêtre, grande porte, demi-mur, petite barricade comme ça. Ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà. Alors, par contre, ça coûte la même quantité de ressources, hein, mais. Je vais mettre la porte ici. Non, je vais mettre la porte là. Je suis obligé d'en placer 6. Hein. Je sais pas si je place une fenêtre, si ça va fonctionner. Oh, pardon. Je me suis trompé. On va tenter. Enfin, on va tester, pardon. Ouais, ça compte. Je peux mettre déjà ma porte. Voilà. On claim la récompense. On passe level 13 grâce à ça. Et maintenant, on me demande une porte. Et on m'a demandé de placer ça. C'est déjà validé. Donc, il me refaut 1, 2... 3, 4 murs, plus une porte. Alors déjà la porte, il faut que je la débloque, il me semble. Elle est ici. Voilà. Vous avez tout ce qui concerne les toits qui sont là, ou les plafonds. Alors la porte, je ne peux pas la faire, donc il me manque des branches, il manque de la corde. D'accord, donc il faut que je tape des arbres, il faut que je ramasse des feuilles. Allez, on est parti. Alors là, je suis sur une session où je suis un peu tranquille cet après-midi. Normalement, je vais faire les 3 épisodes à la suite.
Donc l'épisode 2, l'épisode 3 et l'épisode 4. Je vais les tourner à la suite. Ok. Alors ce que je trouve très pratique aussi, quand on farme l'herbe, c'est les roseaux. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. Je m'étouffe en parlant, c'est original. vraiment désolé. C'est les roseaux en bord de, au bord de l'eau en fait. Regardez, il y en a plein là devant nous. C'est vraiment très pratique parce qu'ils sont très paquets. Et c'est vraiment pratique pour les ramasser à la main et aussi avec une faux. Parce qu'à un moment donné, là, on va avoir une quête qui va nous demander de fabriquer une faux. Donc, bizarre, il y avait un bruit bizarre là. On dirait que je marche sur. Ouais, vous avez entendu? On dirait que je marche sur un plancher. C'est assez. Assez étrange. Alors ici on a un sanglier. Et un autre petit buisson d'arbre. Un buisson d'arbre, oui. C'est intéressant. Ok. Alors, on va faire des cordes. Pardon. Voilà, on va faire tout ça de cordes. On va faire des murs. On va manger un morceau aussi. Ramasse rien là. Ok, encore des points d'activité pour la guilde. Ma porte. Ok, les murs sont en train de se craft, il m'en faut un autre. Alors, bah ici, on va mettre une petite fenêtre. Voilà, là, pareil. Et... Alors attendez, non j'ai pas fait de bêtises. Voilà, ça fera un peu de lumière. Et notre petite porte. Voilà. On valide la quête. Et donc là on récupère, on avait les quêtes une par une, on en récupère trois d'un coup là. Donc on me demande de débloquer la recette, du tout l'expertise, de crafter un couteau de chasse. Ensuite de le placer dans ma barre de raccourci. On me demande aussi de débloquer, donc on va faire ça, hein. Le loom. C'est pas ici. Hein. Tac. Alors le couteau c'est là. Le loom c'est pas ici. Je crois pas que ce soit ça qu'on me demande. Spinning wheel. Attendez. Unlock crafting recipe weave. Weave. C'est... Non, ça c'est linen. Je me demande si c'est pas ça quand même en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est juste un problème de traduction. Ok, on me demande de crafter un couteau de chasse, de crafter deux linen. Donc pour crafter le linen, bah, il va nous falloir la machine appropriée, c'est-à-dire ceci.
Donc là, il nous faut beaucoup de branches. Il me manque une corde. Ok. Et le couteau, il me faut de la pierre. Et on est parti. Bon, je peux laisser la porte ouverte, hein. Ça risque rien, je suis tout seul. Donc on va faire un petit peu de pierre. Et la troisième quête, c'est... Ah oui, d'utiliser la loom pour... ça, je vais vous l'expliquer sur le moment quand je vais le faire. Parce que expliquer sans montrer, c'est pas évident. Donc là, je veux ceci. Voilà. Ensuite, il me faut un arbre pour faire des branches. Il m'en faut encore 17 et il me manque 2 cordes. Allez, 17 branches. Encore 6, encore une. Voilà. Donc on peut faire ceci quand les cordes seront craft. Voilà. Le couteau, je le place dans ma barre de raccourci, je peux valider ma petite quête. On continue à prendre de l'XP. Donc là, on me demande maintenant la nouvelle quête qui vient de remplacer celle du couteau, c'est la faucille. Pour faire une faucille, deux cordes, alors je ne peux plus faire de cordes, et quatre branches et trois de pierre. Allez, vas-y, mon grand. Casse-moi du caillou. Alors ça, c'est un rocher qui donne de la pierre. C'est pas des gravats qui donnent. C'est la rubble que je récupère sur ces cailloux. C'est un peu comme des petits gravats. Et après, il y a des rochers spécifiques pour avoir de la stone. Donc de la vraie pierre, on va dire. Voilà. On va ramasser... De quoi faire de la corde. Je vais même aller la faire au bord de l'eau, ce sera plus simple. Voilà. Et on passe level 14. On avance bien, hein, mine de rien. Alors il faut savoir, quand vous jouez en guild, vous avez l'XP partagé, un peu comme sur Ark, hein, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire toutes les actions que vont faire vos collègues avec qui vous jouez, bah, vous allez toucher un pourcentage d'XP. Alors qui est très faible, hein, mais bon, ça fait toujours de l'XP qui est gagné facilement sans rien faire. On a encore gagné de l'expérience de guild, enfin des points d'activité. Voilà, on va faire deux cordes. Donc ça, c'est craft. Ah, il me manque encore deux branches. Voilà. Très bien. Allez, on va courir. On va retourner à la maison, on va poser le... Donc ce qu'ils appellent le spinning wheel, moi j'appelle ça un loom, mais c'est pareil, c'est un métier à tisser. Hein. Tout simplement. Alors bien sûr, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des interrogations dans... auxquelles je ne réponds pas dans les vidéos, hein, faut pas vous priver. Donc voilà la petite loom. Parce que j'étais trop proche d'elle. Ok, ça c'est fait aussi. Alors, on me demande en fait de crafter deux linens, mais aussi d'utiliser moi-même la roue pour faire les crafts.
Donc en fait, toutes les tables de craft du jeu, même le petit feu de camp qui est dehors, vous pouvez maintenir E dessus et vous avez cette option qui est l'utilisation de la table de travail sur laquelle vous êtes. Donc si je clique, en fait, je rentre dans l'inventaire, mais quand je ressors, je suis attablé. Là, je peux plus bouger mon personnage, sauf si je fais E. Là, en fait, je suis en train de travailler, même si je fais rien. Je suis assigné, on va dire, au métier à tisser. Donc là, je peux faire E pour en sortir. Ça fait faire un petit saut. Voilà, il y a un petit bug d'animation, j'ai l'impression. Mais bon, ça a toujours été comme ça. Et donc d'ici, en fait, je peux lancer mes crafts. Alors le problème là, c'est qu'il me faut ça. J'ai tout ce qu'il faut. Donc en fait, quand vous êtes ici, vous allez lancer vos deux crafts. Voilà. Vous pouvez faire échappe. Et vous voyez, je suis en train de travailler sur le métier à tisser. Voilà, je fais tourner la roue, il y a une animation et tout, hein, donc c'est plutôt bien fait. Et ça m'a validé la quête. Voilà, et quand vous avez fini, le personnage arrête de travailler, mais je suis toujours bloqué, il faut que je fasse E. Voilà, et puis je récupère les deux tissus, ça me valide ma deuxième quête. Et enfin, on va mettre ceci. Alors, il faut savoir que la faux, on peut porter en fait plein de choses sur ce notre personnage, mais on est quand même limité en place. À partir du moment où vous allez avoir déjà votre hache, votre marteau, votre lance, votre arc et votre couteau, votre personnage porte déjà beaucoup de choses. Et visuellement, ça se voit sur le personnage. Ouais, mon couteau est là, j'ai mes deux petits outils ici, marteau et hache, j'ai l'arc et j'ai ma lance. Et si je rajoutais en fait ma faucille, bah, il faut que je remplace par quelque chose d'autre. Je vais mettre à la place de la lance. Et voilà, j'ai fini là trois quêtes d'un coup. Donc on valide tout ça. Et on en a trois nouvelles. Et on peut continuer comme ça encore un petit moment. Donc là maintenant, on me demande en fait de reconstruire encore des fondations en bois, des murs. Donc 24 et 16. Sachant que ce qu'on a déjà fait est pris en compte. Heureusement. On me demande de construire un lit et de débloquer donc du coup le craft. Et on me demande de débloquer aussi la première armure, la seconde armure du jeu. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est pas ici. Donc au niveau armure, c'est celle-ci. Et ensuite pour le lit, je crois que ça doit être là. C'est voilà, le lit est ici, wooden bed. Nickel. Maintenant, on va voir si on peut faire quelque chose. Ça m'étonnerait. Alors pour le lit, il me manque des branches. Pour la nouvelle armure, il me manque un peu de tout. Alors il va falloir faire masse corde. En tout cas au moins 9. Vu que c'est 3 cordes par stuff, il faut beaucoup de branches et il faut de l'écorce. L'écorce, je vais aller la récupérer. Voilà. Je vais mettre ça là-dedans, tiens. J'ai pas posé ma paillasse. Je vais la mettre là aussi, la paillasse, pour l'instant. Elle me sert pas plus que ça. Ça ici. Ça là. Ok. Il y a un renard qui veut entrer chez moi. Donc on a dit plein de branches. Et juste plein de branches en fait. Il me faut 56. Non, attendez, c'était 19, ouais, je sais plus. Ah, il me faut beaucoup de branches pour faire les 3 pièces d'équipement. Il m'en faut aussi pour faire. Alors, faut faire attention de ne pas taper les animaux qui passent devant nous quand on farme. Surtout si c'est un sanglier. Voilà. Alors je vais raccourcir un peu la durée des épisodes. Parce que je vais pas vous montrer grand chose de plus en fait les loulous. Hein. À part la série de quêtes qui est à faire bah, au fur et à mesure qu'on avance dans les quêtes, justement.
Et donc si vous avez des questions bien précises dans les commentaires, si la réponse est assez simple à donner, je vous répondrai dans les commentaires. Si elle est un peu plus compliquée et que ça demande un visuel, ben, je vous le montrerai sur la partie multi. Du coup ça fait à peu près 24 heures que un peu plus de 24 heures que le jeu est lancé au moment où je tourne cette vidéo là. Et la base des loulous sur le serveur officiel est plutôt sacrément bien avancée. Là il y a quelques joueurs dont moi qui sont en train de peaufiner leur maison. On a bien agrandi notre territoire au niveau de la guilde aussi, on est level 4. Bref, ça se passe super bien, il y a des petits nouveaux qui sont arrivés sur le serveur pour jouer avec nous. Donc ouais, ça fait plaisir. Et j'ai encore pété ma hache, alors je la répare. Est-ce qu'on peut faire autre chose ici en attendant? Alors on peut faire le torse, les bottes. Et là il risque de manquer peut-être de la corde. Il va me manquer effectivement de la corde. Et je peux faire le lit. Ok, on va continuer à faire du branchage. On n'en a jamais assez au départ. C'est comme la corde et donc l'herbe. Alors je tape dans le vide là. C'est un cheval que je viens d'effrayer. Ok, on va refaire un peu d'herbe. Ok, branche 1. Alors ça, je pense pas que ce soit lié au woodcutting. Donc à la coupe du bois, pardon, je vais quand même vérifier. Non, vous voyez, j'ai pas atteint le premier palier encore. Donc en fait, il y a un système de haut-fait sur le jeu. Voilà, il n'y a pas de récompense, à part à gagner des titres, mais pour l'instant, des titres, on n'en a pas, voilà. Donc vous avez les derniers obtenus ici. Vous avez les pourcentages d'obtention dans les catégories, et surtout, vous avez ici un récap beaucoup plus détaillé. Et donc là, par exemple, voilà ce que je viens de faire. J'ai collecté 500 branches et j'ai fait le petit au fait. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, j'ai crafté ça, Il y a ça qui est en train de se faire. J'ai deux cordes. Quand les deux cordes seront faites, je pourrai lancer le casque. Là déjà on peut remplacer ça, ça je vais jeter. Hop. Alors pour équiper vous pouvez double cliquer, hein. Là j'ai fait un cliquer déposer mais ça pose aucun problème. Voilà, je fais mon casque. Et ensuite on va voir si on peut faire, alors 10 fondations. Eh ben, je ne peux pas. Parce que je n'aurai plus de cordes. Eh bien on va commencer à craft plein de cordes. Et on va refarmer de l'herbe. Alors, je vais farmer de l'herbe quand même avec ma faucille, tant qu'à faire. C'est quand même beaucoup plus rapide. En plus, c'est la faucille de base. Donc avec la faucille, à la main, il vous faut deux coups de... Enfin, comme si vous cliquiez deux fois pour ramasser les choses. Avec la faucille, c'est en un coup. Vous allez ramasser tout ce qui traîne autour de vous. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là où vous avez une belle densité de roseaux, bah c'est super rentable. Ou même que vous avez des densités de buissons comme ça là. Voilà, ils sont passés level 15. C'est royal. Voilà, on vient de faire un succès au niveau de l'herbe ramassée. Et donc quand vous êtes voilà, au niveau des roseaux, bah c'est voilà, c'est super efficace. Alors par contre les roseaux, faut deux coups. Enfin ça dépend en fait.
Et là on va pouvoir lancer beaucoup de craft de cordes. Alors on a fini une quête, on a fini notre quête, on a encore fait de l'activité de guilde. Voilà, ça c'est déjà tombé. On va relancer plein de cordes. Donc là 42 cordes. On va aller mettre des points d'expertise ici en coupe du bois pour avancer plus vite. Voilà. Je peux aussi m'équiper de ça. Non, c'est celui-là, pardon. Ça, je peux jeter. Drop. Les graines, drop. Le lit, on va aller le placer dans notre maison. J'ai ramassé des grenouilles que je vais pouvoir cuisiner aussi, si je veux. Donc, est-ce que je peux faire mes 10 fondations? Je peux déjà en faire 9. Et je pense qu'il va nous manquer des branches. Alors que le soleil est en train de se coucher. Donc, vous voyez, mine de rien, les loulous, ça fait à peu près 1h15 que je joue sur le serveur. La vidéo de 45 minutes hein, de l'épisode 1, et là on est à une demi-heure, et en une demi-heure on est level 15. On approche tout doucement du premier palais de compétences de woodcut, enfin de coupe du bois et de minage. On n'en est plus très loin, pardon. D'ailleurs je risque de le passer en premier en coupe de bois. Donc actuellement je coupe beaucoup plus de bois que je ne tape de pierre. Hein. Alors, est-ce que je peux faire une dernière fonda? Voilà, 10. Et il nous manque 14 murs. Déjà 4. Voilà. On continue à faire des branches. Et donc ben, on va s'arrêter là les loulous, je pense que je vais vous faire des petits épisodes de 35 minutes, là on va pas tarder à s'arrêter. Enfin, comme je vous ai dit, je vais faire un petit format un peu plus court sur ce début de série. Petite musique qui se déclenche, ça c'est cool. Manger un morceau parce qu'on a faim. On aura passé quasiment deux haches dans cet épisode. Voilà, Lumbering Entry, Novice, sur Novice Renom. Donc, on va aller regarder ça. Là, je pense que j'ai pris des niveaux. Donc voilà, on est à 150, qui est le premier palier de compétences en coupe de bois. Et on va pouvoir débloquer deux capacités. Enfin, deux compétences plutôt passives. Hein. Donc ça, c'est la... Le fait d'augmenter notre récolte d'écorce et de branches de 20%. Donc ça, bien sûr, ça coûte des points. Là, en l'occurrence, ça me coûte... Ah non, ça coûte plus de points, ça, à première vue. Ils ont supprimé le système de points de... D'accord, des compétences. J'avais pas fait attention à ça. Avant, en fait, on avait des points de compétences. Et j'ai l'impression qu'ils n'en sont plus. Et donc là, on va augmenter le fait de... La durabilité de notre hache va diminuer de... Enfin, on va perdre 20% moins rapidement
du rat sur notre hache. Voilà. Quand on l'utilise pour collecter des ressources. Voilà, j'espère que j'aurais bien traduit. Mais c'est. Enfin, que je me serais bien exprimé surtout en fait. Alors là, j'ai fait quelques murs, mais je peux plus en faire. En fait, il me manque de la pierre. Voilà ce qui me manque. Donc une pierre par mur, il me faut 10 murs, il me faut donc 10 gravats. C'est des gravats, hein, je crois, la trad française. Alors là, j'en ai pas assez. Toi, tu vas me donner de la stone, par contre, je crois. Eh ben non, c'est bon, du rubble. Voilà. Et donc, on veut. Eh ben, pile poil. 10 murs de plus. Et on finira là-dessus, les loulous. Bah, d'ailleurs, je vais finir même de suite là-dessus. Et vous aurez le résultat des 10 murs au prochain épisode. Donc, j'espère que ça vous aura plu, ce deuxième épisode de Myth of Empires. Je sais pas si je prononce bien. Je sais pas si on dit Myth ou Myth. Mais je pense que c'est Myth. Avec le petit th. J'enchaîne directement avec le 3. Je vous laisse donc là-dessus, les loulous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!